La Sainte Face est une des choses les plus importantes que nous puissions montrer dans cette cathédrale. Il est très rare de posséder une chose aussi ancienne. Est-ce que vous voyez ce que ça représente ? Près de 800 ans. C'est quand même extraordinaire. N'oubliez pas que nous avons eu des guerres épouvantables ici. On a eu des dégâts fantastiques dans cette région et dans cette église. Eh bien, la Sainte Face, elle est toujours là. C'est ça qui est absolument incroyable. Comment se fait-il ? C'est un miracle, ça. C'est un miracle d'avoir encore ce bout de bois si ancien et qui montre la figure du Christ. C'est extraordinaire. Il est très extraordinaire et tout à fait providentiel qu'une icône orthodoxe de cette rareté, de cette beauté, de cette ancienneté, de cette pureté, de cette perfection, se soit trouvée justement dans cette cathédrale du nord de la France, et que tout le peuple catholique puisse le vénérer et s'en inspirer, et trouver à faire revivre son cœur de l'ancienne église chrétienne. Et donc, l'icône a de nos jours un très grand impact sur la vision et le cœur des chrétiens. Grâce aux icônes, petit à petit, les catholiques connaissent mieux l'orthodoxie et les orthodoxes sont plus disposés aussi à communiquer avec les catholiques. Et une icône telle que celle qui est présentée ici est évidemment faite pour produire et pour provoquer l'amour chez tous les chrétiens.